Bonjour à tous, merci d'être si nombreux à me suivre. Nous sommes jeudi 25, c'est la 10e séance, une séance un peu différente des autres. Nous allons pratiquer dans le salon, en musique, mais en faisant moins de cardio. Ça va être de la musculation plus du haut du corps, pectoraux, triceps et les muscles du dos. Je fais tous les exercices et toutes les séries avec vous, comme sur les autres séances, et en fonction de votre niveau, refaites 2 à 3 fois les séries. Voilà. Donc on va commencer par un petit footing sur place pour s'échauffer. Moi je le fais sur 30 secondes, n'hésitez pas à faire un petit peu plus long et ensuite nous travaillerons le haut du corps. Pour la séance, n'hésitez pas à prendre des bouteilles, 1 kg, 1 kg 5, 2 kg, des filets de pommes de terre et un pack d'eau. Voilà, à mon avis, il y aura besoin d'avoir un petit lest. Voilà. Donc on va commencer par du footing. On trottine sur place. Voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler plus le haut du corps, pectoraux, triceps, les épaules et les dorsaux. Voilà, l'échauffement ça sert à s'échauffer comme diraient les élèves, mais à fluidifier le sang pour qu'il arrive plus facilement et plus rapidement sur les muscles qu'on va travailler après. Voilà. Donc moi je fais une petite minute, vous pouvez faire plus si vous avez envie, faire du cardio pour ceux qui ont des vélos, des rameurs, trottiner sur place pour l'échauffement, parce que là c'est plus du tabata, c'est plus 30 secondes d'effort, 10 secondes de pause, c'est des mouvements qu'on répète entre 10 à 15 fois. Je fais toute la série et après si vous voulez faire 2 fois la séance ou 3 fois, vous pouvez. Alors, on va travailler les épaules dans un premier temps. Voilà, je prends les bouteilles et je remonte. Là, 2, 3, 4, pour rendre l'exercice plus difficile, je centre la charge et je viens écarter un peu plus. Voilà, 3, 4, 5, 6, 7, on garde le dos bien droit, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, moi je le ferai qu'une fois pour ne pas vous embêter. Voilà, premier exo, c'est les deltoïdes, on travaille les épaules. Deuxième, je prends mes charges et je remonte. Ça peut être du développé nuque. Je vais le plus haut possible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. À vous de faire varier les charges par rapport à votre niveau et votre pratique. Ça doit chauffer un petit peu sur le haut du corps. La deuxième, donc pareil, toujours avec mes deux poids là de 1 kg, je peux prendre un peu plus si je le sens, je vais hausser mes épaules. Voilà, je suis là et je hausse mes épaules. On ne se penche pas en avant, si je vous demande de profil, ça donne ça. Hausser les épaules. 4, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mettez de l'amplitude hein, sur ce type de mouvement. Voilà. Alors ensuite, avant de travailler les bras, un petit peu de gainage sur 30 secondes. Donc je rappelle, le dos bien droit, on rentre le ventre, on serre les fesses et on fait 30 secondes de gainage. Je vais descendre un peu la caméra pour être plus visible. Voilà. Et je regarde l'intérieur de mes mains. Voilà, on est parti pour 30 secondes, 45 secondes. Ne pas se cambrer, ne pas regarder devant, la mauvaise position, mauvaise aussi ici. On est bien droit, les fesses sont rentrées.
vous serre les fesses, on rentre son compte. Important de faire du gainage pour la suite, puisque nous allons travailler les bras. Voilà, là j'ai fait donc 45 secondes de gainage, c'est important. Ensuite les bras, les pompes. Alors j'entends déjà certains et certaines qui vont dire « Oh non, pas les pompes, pas les bras ». Important, c'est de travailler les pectoraux, les muscles triceps et l'épaule, le deltoïde. Alors les trois niveaux de pompes, le plus facile c'est donc de les faire à genoux, mais on reste bien gainé quand même, c'est-à-dire que j'ai tout le buste qui descend et tout le buste qui remonte, d'accord ? Je souffle pendant l'effort, c'est-à-dire quand je remonte, et les bras sont écartés un peu plus que la largeur des épaules. Le niveau au-dessus sont les pompes, j'allais dire classiques, mains toujours écartées de la largeur des épaules. Je suis comme en position de gainage, je descends et je remonte. Voilà. Et le niveau encore supérieur, ce serait avec les pieds surélevés. D'accord ? Je surélève mes pieds sur un canapé, sur une chaise, et je viens descendre. Alors ceux qui ont vraiment des difficultés au niveau des pompes, vous pouvez aussi les faire à genoux et utiliser un point un peu plus haut. Voilà, soit le mur, soit là, je suis sur la table. Alors, elle risque de glisser la table. Donc voilà, si je le fais, mais je vais être de dos, je suis à genoux et je descends sur un point plus haut. Voilà. Ça, ce serait le niveau le plus facile. Allez, c'est parti, on va faire 10 pompes. Pensez à souffler quand vous remontez. Voilà. On est là et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo! Donc vous referez une série, vous referez toute la séance une fois, ça vous permettra de revoir tous les exercices. Maintenant, nous allons travailler. Quand on travaille sur les pompes, on travaille donc les muscles qui sont devant. On va aussi travailler les muscles antagonistes, c'est-à-dire les muscles qui sont derrière, pour se tenir droit. Les muscles qui permettent de resserrer les omoplates, par exemple. Ça s'appelle le rhomboïde et les grands dorsaux. Donc un exercice qui normalement nécessite des poulies et tout, d'être en salle. Là, regardez, sur une table basse, mais je pourrais le faire aussi sur le canapé. Je prends mon pack de lait et je viens tirer. Et je le ramène le long du corps. Je garde le dos bien à plat et mon coude vient frôler le corps. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je change de côté. Le conseil, c'est de commencer par votre bras faible. Sinon, vous risquez d'en faire plus avec le bras fort et d'en faire moins avec le bras faible. Il faut en faire bien sûr autant avec les deux bras. Donc regardez, le dos il reste bien à plat et j'engage pas mon épaule. Le haut du dos, les épaules restent parallèles au sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Allez, bravo, super. Maintenant les triceps, et je vous dis la séance, je pense qu'il y en a qui vont avoir des courbatures et mal au bras si vous la faites 2 à 3 fois de suite. Hein. Oh là là là, je casse tout. Voilà, pour les triceps. Oh là là, il y a tout qui tombe. Le niveau le plus facile, donc je suis assis. Comme une chaise, mes fesses sont en dehors du canapé, je descends et je remonte. Je souffle pendant l'effort. D'accord ? J'utilise pas mes jambes. J'ai posé mes pieds par terre, mais je ne les utilise pas. C'est les triceps qui vont faire travailler et qui me permettent de remonter et redescendre. Le niveau supérieur, donc j'ai les mains sur le canapé,
je viens poser mes talons et je descends. Et je souffle, je remonte. Ok ? À vous de choisir quel exercice vous préférez. Et on est parti. Allez, pour 15. 1, 2, 3, avec le sourire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Bravo pour aujourd'hui. On a travaillé vraiment tout le haut du corps. Donc les triceps par les dips qui étaient là. Les épaules avec les élévations. Trapèze quand on bosse les épaules. Là, les deltoïdes. Et là aussi. Les pompes, ça fait travailler les pectoraux. Donc, pour les étirements, on met la main derrière le dos, on vient et on tire là. Cette action, elle est par ici. Ça doit être tiré. Les triceps, là, et le grand dorsal. Voilà, je viens, je tire. J'oublie pas que j'ai deux bras, je fais les deux côtés de la même façon. Voilà, pour les pectoraux aussi travaillés, je mets la poupe, le plat de la main sur le mur, d'accord ? Je regarde ce que vous voyez, et je viens tourner. Je viens ouvrir le buste, ça doit étirer les pectoraux. D'accord ? Dans un sens. Si je vous le fais de l'autre, on peut le faire debout. Là, on voit aussi, voilà, je viens et je tourne. D'accord ? J'ai la main à plat, je viens, je tourne. Voilà. Donc cette séance, n'hésitez pas à la faire 2 à 3 fois de suite, de 10 à 15 mouvements, de 10 à 15 répétitions en fonction de votre niveau. Adaptez aussi par rapport au poids, soit des bouteilles, soit je vous dis, celles de pommes de terre. Je sais que la plupart d'entre vous ont des petites haltères. Donc n'hésitez pas à mettre des haltères de 1,5, 2 kg pour faire les mouvements. Voilà, merci à vous, merci pour vos tous vos petits messages. Un coucou là, je sais que maintenant Géraldine me suit sur X, Elsa et tous les autres. C'est vraiment sympa d'avoir tous ces retours. Merci à vous, bon courage, c'est une période vraiment bizarre. Je suis content d'avoir tous ces retours. Merci à vous. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont Facebook, vendredi, un petit direct à 15h. Voilà. Ce ne sera pas du sport, c'est un moment plein d'émotions et de sensibilité. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les mettre devant l'ordinateur ou le téléphone. 15h sur mon Facebook, un petit direct vendredi. Merci à vous, bonne soirée et bonne récup.